Hello, bienvenue dans ce daily vlog, donc une journée avec moi. Je vous ai filmé quelques petits passages. On commence avec le fait qu'il n'y a plus de déco d'Halloween. Je suis triste, mais bon, je me console en me disant que c'est pas grave. Bientôt, on va pouvoir mettre les décos de Noël. Ensuite, je suis passée en cuisine pour m'occuper du philodendron verrucosum. Je vous ai montré sur Instagram qu'il était atteint d'acaria, des petites araignées rouges. Et là, donc, je vais faire le deuxième traitement. Je supprime cette feuille-ci qui n'a pas survécu, elle était déjà bien avancée. Et je vais vous montrer tout ça de plus près. Donc là, je vous montre vraiment les dégâts et je vais vous montrer de plus près, voilà, à quoi ressemblent les acarias. On dirait vraiment c'est minuscule, on dirait des petites taches de poussière, mais dès qu'on s'en approche un petit peu, ben voilà, on les voit bien bouger. Donc ici, je vais faire le traitement habituel, eau et savon noir. Je vais juste y aller un petit peu plus fort, donc je mets beaucoup plus de produit, je fais pas un simple cheat, j'y vais bien sur le dessus, le revers des feuilles, et je vais venir frotter les feuilles pour bien étaler le mélange partout. Et en même temps, cette action un peu de frotter, je me dis je peux peut-être en écraser quelques-uns au passage, c'est pas plus mal, et je vais laisser tout ça reposer. En attendant, je suis passée sur l'ordinateur pour organiser ma semaine. Ensuite, 30-40 minutes après, je suis venue rincer le traitement. C'est important de rincer les traitements, en tout cas avec le savon noir, c'est mieux. Et je vais venir éponger, essuyer un petit peu les feuilles parce que le verrucosum est quand même assez sensible au traitement. Voilà, peut tirer un peu la tête avec les traitements rapprochés tout du moins. Donc voilà, j'essuie et en même temps ça fait une petite action de venir retirer les petites bestioles. Comme vous voyez, il y en a plus sur certaines feuilles et quasi plus sur d'autres. Donc voilà, venir passer un petit coup de chiffon, ça les nettoie d'autant mieux et c'est pas plus mal, surtout dans ce cas-ci. Je répéterai du coup les traitements tous les 3 à 4 jours et je croise les doigts. Ensuite, j'ai travaillé sur l'ordinateur, sur plusieurs visuels. Je vous montre pas tout, bien évidemment. Mais voilà, là, je vous montre une petite partie. Ce sera en fait mes nouvelles couvertures de story à la une pour mon compte Instagram. Donc là, je vous montre, c'est comme ceci pour le moment. J'avais envie de changement, donc voilà. Et je termine ce daily vlog par mes petits Poner Green du moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me partager en commentaire vos petits Poner Green à vous. Ça me fera super plaisir. Je vous laisse avec le reste des images et on se retrouve dimanche pour une vidéo plante. Ciao, ciao !